decided that I would be declaring for the 2019 NBA draft. I want to give a shout out to Coach James Kane for coming to a back gym and finding me and really giving me the opportunity to play here at Murray State. It was the best bag of chips in my life I've ever had. The Memphis Grizzlies select Ja Morant from Murray State University. De petit collégien banal à second choix de la draft NBA. L'histoire incroyable de Ja Morant. A priori, rien ne semblait présager que Ja Morant allait avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui en NBA. Plutôt petit, lorsqu'il était en high school, avec moins d'un mètre 80, Ja, dont le vrai nom est Jamal, ne semblait pas prédisposé à faire une carrière de basketteur professionnel. Personne ne voyait en lui un joueur dominant de la NCAA, et encore moins un joueur NBA. Aucune université ne semblait s'intéresser à lui. Son histoire est pourtant incroyable. Comme il voyait que son fils était passionné et volontaire, le papa de Jamal lui construisit un terrain de basket dans le jardin familial. De nombreux joueurs venaient à la maison, passaient des heures et des heures à jouer des matchs. Et, à la fin de la journée, son papa avait préparé un barbecue géant pour tous les joueurs. Outre les matchs, Ja Morant mit également énormément d'énergie à s'entraîner sous la supervision de son papa. Et entre chaque exercice de basket, il sautait à 25 reprises sur des roues de camion. Et après de nombreux jours et de nombreuses heures de travail, il commençait petit à petit à voir sa détente s'améliorer. Mais il n'y avait toujours que très peu d'intérêt pour ce joueur qui, aux yeux de beaucoup, n'était qu'un joueur comme tant d'autres. Dans les tournois et les matchs qui servent au recrutement des joueurs pour l'université, Jamal n'était même pas sélectionné pour jouer sur les terrains principaux et il devait se satisfaire des salles annexes. Mais le travail, le destin et surtout l'assistant coach de Murray State dans le Kentucky ont changé son avenir. En allant se chercher un paquet de chips et un soda, James Kane est passé devant cette salle annexe. Et il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte que ce joueur avait un potentiel énorme. Il a tout de suite appelé le coach principal, Matt McMahon, et tous les deux étaient persuadés que ce joueur pouvait devenir un grand joueur. Ils lui ont donc fait une proposition de bourse complète pour leur université de Division 1. Là encore, il a eu du mal à se placer dans le viseur des recruteurs NBA. Lors d'un match à l'université d'Alabama, où Ja Morant joue un super match et place un dunk monstrueux, les réseaux sociaux se sont emballés. Et le regard qu'on lui portait a petit changé. Dans la même lancée, il joua deux matchs exceptionnels lors du Sweet 16, le tournoi final des meilleures universités américaines. Et ses très belles prestations, qui sont le fruit de son travail acharné, lui ont ouvert les portes de la NBA. One of the best players on the planet against a rookie, and a rookie meets the moment. Aujourd'hui, Jamal fait le bonheur de l'équipe de Memphis. Il a d'ailleurs tellement été apprécié par toute la communauté de Murray State que les supporters de son université continuent à être ses plus grands fans.
We love Ja Morant. He's one of the best basketball talent, but he's a better human being, and we're very proud. Family! What's up, man? We do hereby proclaim Friday, August the 23rd, 2019, as Ja Morant Day in Murray and Callaway County, Kentucky. This is your day. Yes, sir. Thank you again. Outre le travail acharné que Ja a pu réaliser, c'est aussi un leader exceptionnel et une personne extrêmement positive et communicative, des qualités qu'il a très vite développées après avoir compris à quel point elles étaient importantes. Well, on the court, he's able to communicate in timeouts. He's able to relay the message that coach has, you know, straight to us and put us in positions to be successful. They're looking to hit the pop every time. Hey, go back to the help. Okay. You know, we sit by each other on the plane, you know, in the locker room. We're always talking about the game, what we see. Like a 2-on-5. Yeah. Right? Then you point it out, and then we walk into something. Yeah, like this right here, now we can live. Right. It's a lot of fun to have that open dialogue with another guy who, you know, is thinking the game. I feel like the point guard has to be the leader on the floor. You have to see everything. You're the coach's eye on the floor. So you also have to be vocal and just keep pushing your teammates. I just try to do whatever I can to help my team. He's constantly wanting to get better. He's super coachable. And he's not just coachable by me. He's coachable by all the assistant coaches. Right now, we're 14-2 beating them in the paint. So we just got to keep going in the paint, right? Yeah. But you got to be in attack mode. It's not there. Make the simple read, all right? You got to chase it. Tyus is behind, so he's just going to try here. I'm going to bump him early off his trail, Toujours à l'écoute des conseils de ses différents coachs, il emmagasine une masse d'informations et progresse à une allure incroyable. Jamal n'a eu que quelques mois en NBA pour nous ravir avec sa fougue, sa passion et son talent. Mais les spécialistes lui prédisent un très bel avenir dans la Grande Ligue. Et lorsque l'on voit ses highlights, on comprend aisément qu'avec la même passion et la même soif d'apprendre et de progresser, les amateurs de NBA vont encore se régaler pendant de nombreuses années. He's kind of like, he got eyes everywhere. Morant down the lane, behind the back to Jer. I can remember when he behind the back threw a dime to Jay in the corner. I didn't even know he saw it. Ja behind the back, Crowder a catch and shoot. Brilliant find by Morant. He's trying to jump over the whole league. He's dunking on everybody. Morant with a running start. Elevates. Oh, it dunks. Oh, my goodness. Ja Morant with elevation. I'm still in awe. Stuff he's doing now is just... All you can say is like, wow, I don't know how he did that, but keep going. Il y a un chemin qui peut t'amener à ce niveau. Cela commence pour chacun de la même manière. Cela commence avec un rêve, un terrain et une balle de basket. Mais le chemin n'est pas fait de béton. Il y a des tournants et des obstacles. Il peut être donné, ensuite repris. Mais ce chemin ne sera le tien qu'une fois que tu l'auras mérité. Par ton courage, ton abnégation, et ton travail quotidien.